Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes avec un jeu complet de 52 cartes, toutes différentes. Voilà, jeu complet. Et j'y tiens. Le jeu est normal. Pas de repères, pas de code, pas de tralala. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne possède pas ce genre de jeu, j'en ai pas besoin et je n'aime pas ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on demande à un spectateur de nommer une carte. Il pourrait nommer n'importe quelle carte. Et comme j'ai pas de spectateur, on va prendre une carte au hasard, choix totalement libre. Donc la carte est choisie. Pour ce tour, on peut même la regarder, ça n'a aucune importance. 9 de carreau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on demande au spectateur de choisir deux cartes, mais on ne va pas les regarder. Au hasard, pareil, choix libre. Allez, une, et une vers la fin. Allez, hop, deux. Voilà. Deux cartes sont choisies. Les cartes sont choisies et normalement, le spectateur pourrait les signer parce qu'on va les rentrer dans l'étui. Comme je n'ai pas de spectateur, on va les rendre uniques. On va mettre une gommette ici, et puis une petite bleue, tiens, hop, oh ben il y a deux à la fois. Et une petite gommette ici, voilà. Donc les cartes sont vraiment, regardez, à des endroits différents, elles sont uniques. Les cartes sont ensuite introduites dans l'étui, sans les regarder. La carte, la première est rentrée. Hop, c'est parti. Une, deux, et c'est rentré. Voilà, les cartes sont rentrées dans l'étui sans aucun problème. Ensuite, on va prendre la carte du spectateur. On va la perdre dans le jeu. On la perd dans le jeu. On la met à l'intérieur. Le jeu est même recoupé. Ça n'a aucune importance. Et ce qui serait fou, déjà, on va mélanger le jeu encore une fois. On va en mélanger encore le jeu. Allez, on va remélanger encore. Le jeu est bien mélangé, on perd bien la carte du spectateur dans le jeu. Voilà, c'est parti, c'est fait. Et donc la carte est bien perdue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder nos cartes qu'on n'a jamais vues auparavant et qui sont uniques. Il n'y a pas de change possible. Et là, c'est parti, on sort les cartes de l'étui. Et maintenant, on va regarder leur valeur. On a un 5 de pique et un roi de carreau. Vous savez très bien qu'après le 10, il y a le valet qui vaut 11, la dame 12 et le roi 13. Et ben, on va additionner les cartes. Donc si on additionne 13 et 5, ça fait 18. Ce qui serait fou, sans jamais avoir vu les cartes auparavant, qui ont été rentrées dans l'étui bien cachées, que la carte du spectateur soit en 18e position. Et ben, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, la carte du spectateur en 18e position sans jamais avoir vu les cartes. Petit tour sympa, original, pas très connu et j'adore l'effet. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt.